Salut à tous. Bon alors ça fait des mois que vous me demandez un dimanche hostile et en général en fait comme le dimanche vous me faites tu nous fais un dimanche hostile et que je suis en effet hostile, bah je le fais pas parce que j'ai pas envie. Et aujourd'hui bah Paris il pleut, c'est la merde, j'avais pas envie de faire cette vidéo et je la fais vraiment parce que genre je me dis que mine de rien il faut que je le fasse puisque vous me demandez tous. La dernière fois, je vous ai demandé un peu votre dimanche hostile. Je vous avais pas exactement demandé ça, mais je voulais pas trop vous en dire. Donc en fait, voilà, vous avez participé au dimanche hostile. Donc je vais vous faire là toute la liste. Je voulais faire une petite mise en scène, un truc marrant, mais j'ai la flemme de le faire, je vais pas le faire. Et donc je vous ai demandé en gros sur Twitter, vous, qu'est-ce qui vous rend hostile? Et donc là, j'ai toute la liste, donc je vais vous la faire. Donc j'ai eu des gens qui viennent chez moi à l'improviste un dimanche matin. Moi ça me rendrait pas hostile. J'ai les supermarchés, c'est hostile. J'ai le réveil, c'est hostile. Les gens qui savent pas conduire sous la pluie, ouais, je suis d'accord avec ça, j'ai failli mourir plusieurs fois en scoot. J'ai mon chat qui a tenté un double salto avant depuis mon armoire jusqu'à mon lit et qui s'est salement éclaté sur moi. Ça j'ai trouvé ça très drôle. La pluie, MDR, tant de merde en Aquitaine. Sache, toi qui as écrit ça, qu'il ne faut jamais dire MDR, ça fait passer pour un débile ou une débile. Les cons, les rageux, je suis d'accord avec vous. Benzema, d'accord. Mon boss, c'est déjà bien qu'on a un boss, hein. Ça veut dire qu'on a un travail. Hein. D'ailleurs, tous les cons là, qui disent que j'ai pas de travail, j'ai un travail. Hein. J'en ai marre de pas le dire, parce qu'on me dit toujours, te justifie pas, tu t'en fous. J'emmerde la pluie, c'est un temps d'alerte dans le sud, très cool. Mon commentaire de texte en philo. Il y a des sites où tu peux payer des gens pour le faire à ta place. J'emmerde la grève par anticipation, je suis d'accord. Mon proprio, moi-même, ma prof de civilisation américaine qui me pourrit tous les week-ends depuis la rentrée. Mon paquet de jambon Erta qui veut pas s'ouvrir, moi-même. J'emmerde mon prof d'histoire, mon rhume. J'emmerde mes devoirs, les magasins qui sont fermés. Et ça fait chier. Un serveur de la terrasse se bouffe trois fois dans ma commande d'une salade tomate mozza. Le train de 5 heures que je vais prendre dans une heure. Mon marketing, les tabacs fermés le dimanche matin. Tout le monde. Bien. J'emmerde, ça c'est David, le vagin de ma mère, à cause de lui je subis le dimanche, j'ai trouvé ça pas mal. Les 10 personnes qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, c'est un peu cucu ça. J'emmerde ma dissert de philo, la police, non? Oui, j'emmerde la police. J'emmerde l'avenir, j'aimais bien la police hein, mais finalement c'est des cons. J'emmerde mon imprimante qui vient de me lâcher alors que j'ai juste 3000 trucs à imprimer. Je m'emmerde tout court, c'est très drôle. Mon DSC les côtes demain qui m'oblige à rester chez moi. Et attention, c'est bientôt la fin. Ouf, mon père qui veut pas se bouger le cul pour m'amener à la gare qui est à 20 km de chez moi. Je comprends, moi si j'étais ton père, je le ferais pas. J'en apprends fidèlement ma voisine de 80 ans qui se croit tout permis grâce à son âge et qui tondait sa pelouse ce matin à 10h24. Il suffit que tu mettes du métal très très fort et elle va mourir, hein, ta voisine. Le collège et tous ses devoirs. Et enfin, j'emmerde aussi les noms de villages alsaciens et l'accent alsacien. Et moi, qu'est-ce que j'emmerde? Moi j'emmerde la pluie, j'emmerde les connards qui me cassent les couilles sur mon blog et sur Formspring. Et puis évidemment, j'emmerde le dimanche parce que le dimanche, je suis hostile. Salut à tous.